Le jour de la course a sonné pour nos jeunes pilotes, ici, aux Émirats Arabes Unis. Et c'est sur le circuit de Yas Island que va se dérouler cette course de Formule 2 d'Abu Dhabi. Allons-y! Le circuit de Yas Island comporte 21 virages sur une distance de 5,4 km. Ici, les opportunités de dépassement se présentent au bout des deux longues lignes droites où se situent également les zones de DRS aux virages 8 et 11. Nous aurons donc droit à une course très disputée et très rapide. Les fans vont se régaler, c'est certain. Je suis assis là, quelque peu ému, à côté de mon ami Davide Valsecchi. Nous y sommes, c'est la fin du calendrier de F2 et l'ambiance est électrique. Je suis persuadé que les pilotes vont donner tout ce qu'ils ont dans cette dernière course. J'ai hâte qu'elle commence. Bonjour Alex. Vous avez entièrement raison, c'est un événement très spécial. C'est le lieu idéal pour terminer la saison. Le ciel nocturne, le circuit illuminé, les feux d'artifice et les tribunes magistrales, c'est parfait. Je crois que nous allons avoir droit à une course fantastique ce soir. Nous allons à présent étudier la grille de départ. Robert Schwartzmann part en pole position à l'issue d'une belle performance lors des qualifications d'hier et Jehan Daruvala s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Tiktum, Aylott, Christian Lundgaard et Schumacher, Zhou, Drugovic, Armstrong, Artem Markelov, Sato, allez-y, Luca Giotto et Nissany, Samaya, Piquet, Etken et Yuki Tsunoda. Kelael et Nobuharu Matsushita, Deletraz et Nikita Mazepin qui part dernier sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste.
Great work. Well done. We're really happy with the podium here. Très belle victoire pour l'écurie Préma aujourd'hui. D'après vous, Davide Valsecchi, comment est-il parvenu à obtenir ce résultat? Je crois que c'est parce qu'il a réussi à garder la tête froide qu'il a gagné la course. Il a su gérer toutes les mauvaises passes avec calme et professionnalisme et il est resté régulier. Ça lui a permis de tirer le meilleur de tout le reste, la voiture, la stratégie. Il a réussi à éviter tous les écueils tout au long de la course. Alors que nous repensons à cette course palpitante, nous pouvons voir les pilotes qui prennent place sur le podium. Et c'est un podium qui ne change pas beaucoup avec une nouvelle victoire en F2 pour Préma. Ce week-end n'a pas été favorable au leader du championnat, qui a vu son avantage se réduire. Passons au pilote du jour. Davide Valsecchi, pour qui votez-vous? Pour moi, c'est Robert Schwartzmann. Il a été exceptionnel du début à la fin. Il peut être fier de cette course. Avec ce résultat, Uni Virtuosi s'empare du titre des écuries. Ils ont été exemplaires depuis le début de ce championnat. Grâce à sa performance du week-end, Carlin gagne du terrain. Je ne suis pas d'accord avec les fans pour cette course. Les deux pilotes ont été splendides aujourd'hui. Mais je pense que mon choix était légèrement au-dessus cette fois-ci. Il est temps de se quitter, mais ce n'était que le début. Rejoignez-nous demain pour la course.